Good morning. Allez, Iden, les tutors aujourd'hui, le Nishmat Murder, Bishmuel, Ben Shlomo Zalman. Ici, Madame Oda, Sarah Batrana, Rachel, Shomo Ben Esther, Richard Batrim, Nechemia, Lorlea, Bat Beila, et Shalom Ben Chemiba, ainsi que leur Fouat, Avram, Ori, Ben Reout, Motor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de 2000, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechaz, Rachim, Perikut, Bet, Mishnah Gimel. Orot, Kodashim, Kalim, la Bealim. Orot, Kodashim, Kodashim, la Kohanim. Kalvachomer, Oma, Im, Ola. שלא זכו בבשרה, זכו בהוראה. קודשי קודשים שזכו בבשרה, אין עודין שיזכו בהוראה. אין המזבח יוכיח שאין לו אור מכל מקום. למשנה מורסני קומסה. רע הפרזן, הוא רבל לבור. אני אתם רוצה להפרד שזכה מתנו. אנחנו קומסה עוברים לסוג'ה דה לפו, דה פו, דה זנימו, כלא נפורט ובית המקדש. כסכון פי דה לור פו. C'est-à-dire, quand j'apporte une hola, le pasouk m'a dit de la peau, la chair, tu la fais monter sur le misbeach, la peau, tu l'offres au kohanim. La Torah l'a explicité que la hola. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres korbanot? La Mishnah enseigne comme ça. Orot kodashim kalim. Les peaux qui. Des kodashim kalim, des sacrifices ont un niveau de sainteté léger. La bealim. Ça revient au propriétaire, tandis que Veorot, Kotche, Kodashim, la Kohanim, et les peaux qui viennent des Korbanot qui sont Kotche, Kodashim, revient au Kohanim. Pour rappel, on a deux groupes de Korbanot, ce qu'on appelle les Kotche, Kodashim, les super saints, ils ont une grande gdoucha, ça implique qu'ils doivent être égorgés au nord de la Hazara, dans la partie nord de la Hazara, ça implique qu'on n'aura pas le droit de faire sortir leur viande à l'extérieur de la Hazara aussi. Il faudra être consommé à l'intérieur que par les Kohanim, mâles, et pas les femmes, d'accord, que les hommes, mais pas les femmes. Et ça, c'est pour les Kotche Kodashim. Tandis que pour les Kodashim Kalim, pour les sacrifices d'un niveau de sainteté beaucoup moins fort, on est beaucoup plus light, beaucoup plus léger. On a tout Yerushalayim pour manger, pour les manger. Même les Kohanim pourront aussi donner leur part, qu'ils reviennent à leurs femmes, à leurs enfants aussi. Uniquement les manger dans la pureté, bien sûr. Donc, on a deux groupes, les Kodashim Kodashim et les Kodashim Kalim. Dans les Kodashim Kodashim, dans les super saints, il y a là-bas un korban qui est très particulier, c'est la Ola, où cette fois-ci, il n'y a aucune viande consommée par les Kohanim, tout est consumé sur le misbeach. D'accord? La Torah a explicité que l'on offre la peau des korbanot que pour la Ola. Elle ne nous a pas dit quelle est la directive par rapport au Kodashim Kalim ou les autres Kodashim Kodashim Khatate Hasham. La Mishnah vient m'enseigne un message que tous les Kodashim Kodashim reviennent au Kohanim, la peau revient au Kohanim. Même si le Torah n'a explicité que la Ola, il en va de même pour tous les autres Korbanot qui sont Kodashim Kodashim. Tandis que pour les Kodashim Kalim, pour les Kodashim de niveau inférieur, simple quoi, alors la peau reviendra toujours au propriétaire du Korban. Il pourra récupérer sa peau et en partant de là, se faire des chaussures, un blouson de cuir, ou peu importe. D'accord? D'où tout est déduit. Alors tout d'abord, par rapport au fait que la peau des Kodashim Kalim, la Bealim, c'est déduit d'un pasouk que Ora Ola, la Torah, vous vous rappelez, on avait vu, on va voir tout de suite, de nouveau, il y a plusieurs déductions dans ce pasouk. Le pasouk, il a une insistance un peu étrange. Lorsqu'on le lit, il est un peu lourd. Et en fait, chaque mot est devenu pour nous apprendre quelque chose de particulier. Et donc là, le pasouk me dit, va kohen amakri vet olat ish, ora ola asheri kriv la kohen lo yiye. La peau de le kohen qui aura offert le korban, la ola d'un homme, la peau de la ola qui l'aura apporté, reviendra au kohanim, de ses insistances, la Torah déduit que c'est uniquement celui de la ola, mais si c'est pas une ola, ce sera pas au kohanim. Donc, une chose de sûre, c'est que le pasouk, il a insisté pour nous dire, la hola tu donnes, mais pas, alors pas, les Kodashim Kalim. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec le Khatat et Hacham, qui sont des Kodashim Kodashim, mais qui ont quand même une différence fondamentale avec la hola. Et on explique pourquoi il y a une différence. La hola, la peau, la chair, la viande, elle monte entièrement sur le Mizbeach, elle est entièrement consumée en l'honneur d'Hacham. Tandis que le Khatat et la Hacham, ouais, ce sont des Kodashim qui sont Kodashim Kodashim, où on va égorger des animaux, on va asperger le sang bien sûr, on va récupérer quelques graisses, on va les faire monter sur le misbeach, mais l'essentiel de la viande, elle est consommée par les Kohanim. Donc, ils ont un niveau différent.
Et la question de la Mishnah maintenant est de savoir qu'est-ce que je fais avec, avec le Khatat et Hacham. Est-ce que je dis que la peau revient aussi au Kohanim ou non? Et la Mishnah va me déduire un kalvachomer, une déduction par a fortiori. Regardez, on fait ça dans les mots. Donc, Orod Kodashim Kalim, la Béalim. Les peaux qui reviennent, peau P-E-A-U-X, ouais, qui reviennent, qui sont des Kodashim Kalim, des niveaux de korbanot de sainteté légers, la Béalim. La peau reviendra au propriétaire. Tandis que Véorod Kodashim, la Kohanim. Les peaux des Kodesh Kodashim, des sacrifices super saints, d'accord, qui ont un niveau de sainteté plus grand, elle revient à Kohanim. Donc même le Khatat et le Hacham. Et d'où je le sais, Kalvachomer, c'est déduit par a fortiori. Par a fortiori à partir de la Ola. Allez, d'abord on le fait dans les mots, après on expliquera à l'oral. Ma im Ola shelo zachu bivsara, regarde, qu'est-ce qu'il en est à propos de la Ola, que le Kohanim ne reçoive pas sa chair. Et malgré tout, Zachou Beora, la Torah elle a dit, donne-leur quand même la peau. Kodesh Kodashim, chez Zachou Bivsara, dans ce cas-là, Khatat et Hacham, qui sont les autres Kodesh Kodashim, où les Kohanim bénéficieront de la. Recevront en cadeau la peau, la chair, la viande, à manger. Enodin, chez Zachou Beora, n'est-ce pas plus forte raison qu'il faudra aussi leur donner la peau? Déduction, apparemment. Très logique. La Torah me dit, bah regarde, je veux savoir, qu'est-ce que je vais faire avec la peau? Une chose de sûre, c'est que la peau, on va pas la brûler pour rien, il faut la donner à quelqu'un. Alors la Mishnah me dit, bah, c'est très simple. Si pour la Ola, où la Torah n'a pas fait de cadeau au Kohanim, apparemment, la viande, tu l'as fait brûler entièrement sur le misbar. La Torah a dit, hey, mais quand même, la peau, donne-la quand même au Kohanim. Un korban comme le Khatat et le Hacham, où l'essentiel du corban, toute la viande revient en Kohanim. Il y a juste quelques petites parts de graisse qui remontent sur le misbar, mais l'essentiel, il est offert pour la Kohanim. Ça veut dire que le Khatat et le Hacham, ils sont essentiellement, ils ont comme destination les Kohanim. Alors, plus forte raison que tu vas leur faire cadeau la peau. D'accord? On recommence encore une fois dans les mots. Ma'im Ola Shelozachu Bivsara. Regarde, à propos de la Ola, que le Kohanim ne reçoive pas la viande. Zachu Beora. Malgré tout, la Torah leur a donné la peau. Kodesh Kodashim, chez Zachou Bivsara, les Kodesh Kodashim qui sont le Khatat et le Hacham, où les Kohanim ont reçu la viande, et nos din chez Zkou Beora, n'est-ce pas plus forte raison qu'ils devront dans ce cas-là recevoir aussi la peau? Et la Mishnah, elle continue en me disant une phrase, le principe de la phrase, elle est de me dire, et ne me dis pas que tu as une objection sur cette déduction par fortiori. Pourquoi? Parce que cette objection, elle est fausse. D'accord? C'est quoi cette objection qu'on aurait pu faire? Ne me dis pas que tu as une objection sur ça, que le misbeach va te prouver le contraire. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Le Bartonan il explique. En chalomar misbeach yochiach shezacha bivsar haola velo zacha baor. Apparemment, comment la déduction elle a été faite? Elle a dit, regarde, la peau tu la donnes au Kohanim dans la hola, alors que la viande elle monte sur le misbeach, la peau tu la donnes au Kohanim. Lorsque tu vas donner la viande au Kohanim, n'est-ce pas plus forte raison que tu vas donner la peau au Kohanim? La Mishnah me dit, peut-être que tu pourrais dire non. De là au là, je vais faire la déduction contraire. Je vais dire que lorsque tu donnes la peau à quelqu'un, la viande à quelqu'un, tu donnes la peau à quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être une déduction aussi. Regarde un rapport qui s'impose. Si pour là au là, tu donnes la viande au Misbéar, mais la peau, tu la donnes au Kohanim. Alors peut-être que lorsque tu vas donner la viande au Kohanim, tu vas donner la peau à quelqu'un d'autre, ou je sais pas. Comme ça, on aurait pu croire. La Mishnah vient et me dit non. She'en lo or mikol makom. Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire, la Mishnah revient et me dit, elle revient à la charge, elle me dit non. Le fait que la peau ne monte pas sur le misbéach, c'est pas parce qu'il y avait une insistance sur le fait de donner, de faire bénéficier deux personnes, deux personnes différentes, le misbéach et le Kohanim. C'était pas ça le but. Le seul problème, il est que la Torah elle avait juste un blocage, qu'on pouvait pas faire monter la peau sur le misbéach, c'est pas digne. Sur le misbéach, on fait monter de la viande, on fait pas monter un animal entier, ouais, avec toute sa peau. Donc de ce fait, par défaut, la Torah elle a dit, bon, donne-la quand même au Kohanim, que le Kohanim il ait au moins un petit quelque chose. D'accord? C'est-à-dire, s'il y avait un problème, si le misbéach en théorie pouvait recevoir la peau, mais que la Torah l'avait incité en me disant « mais la peau donne-la quand même au Kohanim ». Alors là, j'aurais effectivement pu faire une objection en disant « trouve deux destinataires différents pour chaque chose ». Donc de ce fait, lorsque le Kohanim va recevoir la viande, donne la peau à quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas le cas.
En théorie, la Olah aurait dû monter entièrement, même avec sa peau sur le Mizbeach. Le problème est que c'est pas digne de donner la peau sur le Mizbeach, c'est pour ça que la Torah a dit, retire-la, donne-la quand même au Kohanim. Donc finalement, revient la déduction en me disant que c'est plus une objection de me dire que à Mizbeach Yuchiyach, le fait que le Mizbeach n'a pas reçu la peau. D'accord? Parce que le Mizbeach, c'est qu'il a pas reçu la peau. Parce qu'il n'était pas apte à recevoir. Parce que la peau, c'est pas apte à monter sur le Mizbeach. De ce fait, pour le Khatat et pour le Hacham, tu pourras finalement déduire par déduction par force. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha comme tout. C'est là.